L'affaire embarrasse l'agence régionale de santé et la préfecture. Samedi 24 octobre, la police aux frontières effectue des contrôles de papiers d'identité. Une routine, mais un appel vient bouleverser l'opération. Elle a contrôlé un individu sur un scooter qui était donc en situation irrégulière, avec un dossier refusé à la préfecture depuis 2019. Suite à toutes les vérifications, ils ont commencé à faire la procédure pour l'emmener au centre de rétention administratif. Sauf qu'entre-temps, ils ont reçu un coup de fil direct de la préfecture par la sous-préfète Lick, demandant de libérer cette personne. Si la préfecture n'a pas donné suite à nos sollicitations, Nathalie Gimonet, sous-préfète chargée de la lutte contre l'immigration clandestine, confirme les faits dans les colonnes de Mayotte Hebdo et l'explique. Deux personnes ont effectivement été interpellées, deux bénévoles dont on avait besoin sur le centre de vaccination. Elles ont donc été libérées très rapidement sur demande de la préfecture et sont retournées à leur mission. Des étrangers en situation irrégulière employés dans les centres de vaccination, le phénomène semble être à la mode. Des professionnels de santé nous rapportent même l'exemple de cette femme vivant clandestinement à Mayotte et qui intervient à la Croix-Rouge, retenue grâce à son expérience en tant que sage-femme aux Comores. On a eu un début d'explication en nous disant que les bénévoles qui travaillaient pour les associations comme la Croix-Rouge notamment, pour les associations de biens publics, étaient systématiquement libérés. Et à ce moment-là, autant leur donner les papiers directement ou autant donner des directives claires, faire des arrêtés préfectoraux demandant à ce que ces personnes ne soient pas expulsées. La Croix-Rouge est désormais mandatée par l'ARS pour prêter main forte dans les centres de vaccination depuis que de nombreux infirmiers libéraux refusent de le faire. La cause, jamais ils n'ont été payés après avoir été réquisitionnés pour effectuer les tests à l'aéroport au moment où le variant sud-africain faisait rage. Serait-ce la raison pour laquelle les autorités font appel aux volontaires, même à des étrangers en situation irrégulière et dont la plupart n'a aucune formation ni expérience dans le domaine médical ?